Assalamualaikum, Samhouni, excusez-moi pour ce contretemps. Dû à pour la première fois que j'utilise un peu Facebook pour des conférences à distance, donc c'était un premier essai. Je me présente très rapidement, Mourad Faladi, expert comptable, commissaire aux comptes, consultant. J'ai fait mes études à l'Institut supérieur de gestion. Maîtrise ISG et après l'ISQE pour la révision comptable. J'ai fait à peu près j'ai fait 6 ans chez Arthur Andersen, un des plus grands cabinets d'audit. Et après, j'ai ouvert mon propre cabinet en 99. 2007, j'ai rejoint Mazars jusqu'à aujourd'hui. Donc, ça, c'est pour la partie académique. L'autre point important, c'est que je suis fondateur de Younes Social Business. Pour ceux qui ne le savent pas très bien, Younes, Mohamed Younes, c'est le prix de Nobel de la paix de microéconomie. Et c'est lui qui a créé les microcrédits, disons. Pas microéconomie, c'est les microcrédits. Mohamed Younes, c'est quelqu'un qui a été du Bangladesh et qui a, pas éradiqué, mais en tout cas, il a essayé d'éradiquer en partie la pauvreté par rapport au social business. Donc, j'étais le fondateur et je l'ai invité même à Tunis. Il est venu il y a quelques années, je pense il y a 6 ans, en Tunisie, ici, chez nous, au cabinet Mazars, pour une grande conférence sur le côté social. Après, j'abordais ce sujet-là, qui est le social business. Aussi, je suis président de la Chambre de commerce tuniso-italienne et aussi, j'étais en 2016 commissaire général de Tunisie 2020. Et actuellement, je suis le président du conseil des chambres mixtes. Toutes les chambres étrangères. Globalement, j'ai animé plus de 100 roadshows à l'étranger pour marketer la Tunisie et ramener les investisseurs d'une manière générale. Le sujet d'aujourd'hui est très intéressant et qui est d'actualité. Je pense que beaucoup de gens l'ont abordé. Moi, je l'abordais peut-être en partie sous le même angle que pas mal d'analystes et économistes. Mais peut-être aussi sur un angle plus social et sociétal. Comme vous le savez très bien, l'économie aujourd'hui est en berne en Tunisie avec des difficultés structurelles depuis des années rajoutées au Covid. Et pour sortir de ça, le levier le plus important et primordial, c'est l'investissement. Et aujourd'hui, Corona, Covid-19, on a un réel problème à booster l'investissement d'une manière générale. L'investissement, il est de 3 niveaux. Il y a l'investissement public, l'investissement privé et l'investissement direct étranger qu'on appelle les IDE. Aujourd'hui, la situation, comme je l'ai dit, est très délicate et a fait que on a changé à maintes reprises de loi de finances et on aura très très bientôt une nouvelle loi de finances et peut-être on aura deux lois de finances supplémentaires pour un peu changer les paramètres et le budget en fonction de la pandémie qui a été faite. Ces deux paramètres, disons, ces deux lois de finances vont toucher essentiellement le titre 2 du budget. Le titre 2, c'est l'investissement public. Donc, il n'y aura pas réellement d'investissement public en 2020. Et ça va être un frein, d'une manière générale, à la croissance. Et c'est, à mon avis, une erreur. À la limite, si on veut s'endetter, ça serait bien de s'endetter pour financer le titre 2 et non pas financer le salaire. Parce qu'en finançant le titre 2, on va essayer de. Le titre 2, c'est les hôpitaux, c'est l'infrastructure. C'est tout ce qui est autoroute. Réellement, c'est ça le plus important dans le titre 2, c'est l'investissement public. Et l'investissement public, derrière, il y a les entreprises, il y a le bâtiment, il y a les cimenteries. Donc, ça crée un micro-système important où il y aura une dynamique importante. Donc, ce serait bien. Et pour dynamiser le titre 2, il faut injecter réellement de l'argent et ne pas les injecter dans le salaire. Donc, premièrement, l'investissement que j'ai dit, il se pose sur 3 éléments, les IDE, le titre 2, c'est-à-dire l'investissement public, et aussi l'investissement privé. Pour les IDE, je ne vous cache pas qu'en 2019, on a baissé par rapport à 2018, qu'aujourd'hui, la Tunisie, ce n'est pas un pays aussi attractif qu'avant, avec toutes les modifications, avec l'instabilité politique, avec tous les problèmes qu'on a eus.
ça serait, à mon avis, très, très difficile de reprendre les IDE en 2020. Et donc, avec les difficultés des entreprises, nous, on est à peu près, on a 240 à 250 entreprises dans le secteur des composants automobiles. L'automobile, il est touché de plein fouet par la crise de Covid. On est, par exemple, pour Airbus, on a des sociétés qui sont filiales d'Airbus directement. Et l'aérien est touché aussi gravement, plus que l'automobile. Donc ça aussi, on aura des difficultés. Donc aujourd'hui, les IDE, d'une manière générale, le climat ne le permet pas. Le climat d'affaires, on n'est plus aussi compétitif. On n'a plus les éléments de compétitivité qu'avant, qui sont l'infrastructure, qui sont la rapidité et tout ce qui est transit, etc., transport. La fiscalité aujourd'hui, la fiscalité des sociétés non résidentes ou des étrangers est devenue difficile. C'est pas comme avant où il y avait 0% d'impôt sur l'export. Aujourd'hui, il y a plusieurs taxations, donc ça aussi, c'est plus intéressant comme avant. Donc, globalement, on a des difficultés au niveau de l'investissement direct étranger. Et aussi, on a un gros problème sur l'investissement local. Aujourd'hui, avec la diabolisation des hommes d'affaires en Tunisie, la bureaucratie, les taux d'intérêt qui sont élevés, la pression fiscale, donc on constate qu'il y a de moins en moins d'opérateurs tunisiens qui veulent investir dans leur pays. Aujourd'hui, il n'y a plus réellement un intérêt à investir dans ce pays. Et ça aussi, ça crée un gros problème. Et à mon avis, ici, le gouvernement doit savoir jouer son rôle, surtout pour la partie diabolisation des hommes d'affaires, de trouver le juste milieu pour éradiquer et combattre et lutter contre la corruption, et aussi assainir le climat des affaires. Il doit pas, les hommes d'affaires aujourd'hui ne doivent pas travailler dans un climat où d'incertitude globale. Donc aujourd'hui, les trois composantes de tout ce qui est investissement, qui est le levier principal de la croissance, ne sont pas réellement au top. Il y a de grosses difficultés à ce niveau-là. Et donc, à mon avis, je ne vais pas trop m'étaler sur le diagnostic de la situation économique du pays qui est à la limite catastrophique et au bord du gouffre, mais je ne veux pas vous démoraliser plus que ça. Je vais enchaîner avec les perspectives post-Covid et surtout les opportunités qui s'ouvrent à nous suite à cette pandémie mondiale. Je voulais aussi rajouter un autre point important, c'est que beaucoup de gens, lors du confinement, on croyait que on a une fois déconfiné, on va reprendre la vie normale. Oui, en partie sur le plan sanitaire, à part qu'on se promène toujours avec du gel, on a des masques, on n'embrasse plus les amis avec des accolades habituelles. Donc il y a un petit changement, mais bon, ça, c'est acceptable à la limite. Ce qui est important, c'est que sur le plan économique, on ne va plus reprendre de la même manière. Je donne l'exemple. Avant, on habitait tous dans un immeuble de 10 étages. Après le Covid et dans quelques mois, on va habiter dans un immeuble à 7 étages, tous ensemble. Donc, on doit composer dans ça. Donc, c'est plus un problème. Oui, on est sorti, il n'y a plus de problème. Il y aura beaucoup de chômage, il y aura beaucoup d'incertitudes sur certains secteurs. Nous, le pays qui est assez faible, hyper endetté. Donc, les choses ne seront pas aussi faciles que ça. Mais il y a aussi des possibilités, des opportunités, il y a des perspectives. On doit travailler aujourd'hui pour aller et essayer de minimiser ces pertes et ces problèmes, et surtout, pas seulement minimiser, profiter des opportunités. Donc, je vais essayer de vous présenter plusieurs axes. Je vais parler de l'agriculture, des opportunités, je vais parler de la blue economy, je vais parler du social, du digital et surtout de l'économie de la vie. L'économie de la vie, j'ai retenu ça d'un discours fait par Jacques Attali suite au confinement et j'ai trouvé ça splendide. Et donc je vais vous parler aussi de l'économie de la vie. Donc cette pandémie, comme je l'ai dit, nous a permis de réfléchir à un avenir meilleur. Et cet avenir meilleur, il est plus sociétal et plus orienté vers l'économie de la vie. Qu'est-ce que ça veut dire l'économie de la vie? L'économie de la vie englobe l'alimentation, l'agroalimentaire, les énergies propres, le recyclage des déchets, gestion des déchets, la culture, le digital
l'éducation, la santé, tout ce qui est distraction aussi, c'est important, l'hygiène et recherche-développement. Ça, c'est globalement qu'est-ce que ça veut dire l'économie d'avenir. Déjà, on est dedans à 70% de l'économie mondiale, elle est dans ça. Mais en tout cas, on va perdre peut-être une trentaine, 30% de ce qui est habituel, classique, et on va transformer d'en plus dans les secteurs que je viens de citer. Tout ça forme un nouveau modèle créateur de croissance, créateur d'emplois, créateur de bien-être, donnant sens à la vie de chacun. Et ça, c'est très, très important pour l'économie de la vie. La vérité, l'État doit montrer le chemin, l'État doit donner sens à l'économie de la vie, et surtout, surtout, l'État doit donner un financement et soutien aux nouveaux métiers qui vont apparaître. L'État doit aider les entreprises à se reconvertir à l'économie de la vie. Et je trouve que, après, je donnerai quelques exemples concrets sur l'économie de la vie. Donc, si on retient Dixit, Jacques Attali, que je suis de près, je ne suis pas toujours d'accord avec lui, mais c'est quelqu'un qui a une vision et une vision économique. Et pas mal de fois, il a été bon dans son analyse. C'est le fondateur aussi de la BERD, qui est la Banque européenne de recherche et développement. C'était un des conseillers de Mitterrand à l'époque. Donc, ça, c'est, il a parlé de l'économie de la vie et je pense que tout le monde aujourd'hui est en train de répéter et aller vers l'économie de la vie. Moi, je voudrais, pour mieux comprendre un peu, approfondir les sujets et perspectives post-Covid pour notre économie, je voudrais commencer par un sujet, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le social, celui de l'économie solidaire et sociétale. Ça, c'est très important. Ça rentre de plein fouet dans l'économie de la vie. Et c'est créateur de beaucoup de richesses et supporté surtout par les bailleurs de fonds internationaux. Comme j'ai dit, je donne des exemples du social, c'est quoi le social business qui crée de la richesse. C'est les femmes de Segnen qui font de la poterie, par exemple. Ces femmes-là, le fait qu'ils se sont concentrés en consortium, et ils ont un directeur financier et un responsable marketing, ils ont pu exporter leurs produits. Ça crée de la valeur ajoutée. Donc, c'est plus vendu à 1 dinar, c'est vendu à 7 dinars, par exemple. C'est pour donner un exemple, plus qu'autre chose. Donc, ça aussi, c'est très, très important d'aller vers le social. Le social aussi, vous pouvez revenir sur Nesma TV il y a peut-être 7 ans. J'ai parlé des femmes qui travaillent dans les champs et qui sont transportés sur des camions 4x4 bâchés, comme on les appelle, et dans des conditions inhumaines. Ces femmes-là vont travailler du matin au soir pour gagner très peu d'argent. Et dans le propriétaire de le 4x4 bâché, à la fois, il les ramène, il leur fait payer le transport, et il encaisse de la société agricole, il leur paye qu'en partie, avec des risques d'accident. L'idée avec le social business, avec nous, le social business, on a essayé, on a donné même un crédit à un jeune pour qu'il achète un bus, un taux d'intérêt très faible, etc., étalé dans le temps, d'acheter un bus, de transporter ces femmes-là, mais mieux encore, d'avoir des télés dans le bus pour permettre de faire passer des messages de sensibilisation pour ces femmes-là. Ça va améliorer leur quotidien et aussi permettre à ces femmes d'aller mieux éduquer leurs enfants. Et donc aussi, c'est ça le social business. C'est pouvoir donner des fonds à des gens, mais c'est plus pour le côté social, plus que pour la rentabilité. La rentabilité vient en deuxième lieu pour recycler les intérêts ou les bénéfices dans le social. Et ça, c'est des activités sur lesquelles on doit aller réellement à fond ces prochaines années. Le social. Par exemple, aujourd'hui, lorsqu'il y a un fonds d'investissement, investi dans une société. La première chose, il cherche tout ce qui est RSE. Est-ce que la société respecte l'environnement? Est-ce qu'elle respecte le côté social? Et ça, c'est un nouveau métier qui est important pour le futur. Il y a aussi, ça c'est ma parenthèse sociale, et comme je l'ai dit, je suis un peu imprégné par Mohamed Youn, et c'est par rapport à Youn Social Business que j'ai fondé ici en Tunisie, et j'étais parmi les fondateurs. Il y a aussi le digital, comme j'ai dit, parmi les activités de l'économie des villes, le digital. Bon, parfois on sent que le mot digital c'est très vague. Et c'est vrai. Et parfois on essaie de cerner. Mais moi, ce que je peux dire, c'est que ce que j'ai constaté après la pandémie et pendant la période de confinement, j'ai constaté que
notre pays, c'est un pays qui a un potentiel énorme, 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 énorme. Ça, je le savais et parfois je l'oublie avec les problèmes quotidiens et les problèmes un peu économiques, mais lorsqu'on fait un peu, avec un peu de recul, on voit qu'il y a un potentiel énorme. Où est-ce qu'il réside, le potentiel? Le potentiel réside, c'est que il y a eu très très vite, on a essayé de développer des plateformes pour le paiement des primes sur les salaires, pour la reprise du travail, pour les autorisations, même si il y a eu des cafouillages. Mais en tout cas, on a accéléré pour les créer. Aussi, pendant cette période, on a créé l'identifiant unique. Depuis des années qu'on attend l'identifiant unique, qui va servir pour pas mal d'activités, il a été, disons, accéléré pendant cette période. Lorsque on veut, on peut. Lorsque notre administration et nos cadres décident d'avancer sur un sujet, on avance. Ce qui était très bien pendant la période de confinement, qu'on a vu très peu l'ARP, on a vu très peu, bon, même si ça a repris aujourd'hui, très peu de disputes, très peu de déchirements entre les partis politiques, et tout le monde était concentré sur le travail. Et donc, on a vu l'exploit d'une élite scientifique, principalement dans la médecine, dans l'éducation, mais aussi dans le digital. Et donc, aujourd'hui, lorsque le politique fait un pas en arrière, réellement, réellement, il y a une élite scientifique importante qui peut faire avancer le pays. Donc, notre gros problème dans ce pays-là aujourd'hui, je pense, c'est le mode, même si ce n'est pas aujourd'hui le sujet, mais en tout cas, le mode d'élection de la Deuxième République fait qu'on a un problème énorme et ça ne permet pas de libérer les énergies, libérer le potentiel et libérer l'élite scientifique d'une manière générale. La vérité, on doit être fier de cette élite tunisienne et des compétences pour comparer avec un pays pas très loin qu'est le Maroc. Ils n'ont pas le quart des capacités de nos étudiants, de notre main-d'œuvre, de nos ingénieurs, de nos directeurs de site, etc. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, Mourad Fradi, mais ceux qui ont des sites chez nous, chez eux et sur d'autres pays, c'est eux qui nous amènent ces informations-là. Je donne d'autres exemples sur la période de confinement. Qu'est-ce qu'on a fait? Par exemple, c'est le M-Payment. Au début, on a vu les files d'attente devant la poste, après, ça a été réglé. Tous les paiements ont été effectués par mobile. Moi, la chambre de commerce, on a collecté 100 000 dinars. Au lieu d'acheter le couffin un peu où il y avait des denrées alimentaires pour les gens défavorisés, ce qu'on a fait, c'est qu'on a envoyé sur les portables, on a pris une liste, on a envoyé sur les portables des gens 40 et 50 dinars, 800 dinars parfois. Et ces gens-là sont allés récupérer et acheter. Donc, on a gardé la distanciation. On donne la possibilité aux gens de choisir ce qu'ils veulent acheter. On ne leur impose pas un couffin. Et c'est beaucoup plus fluide. Donc, ça aussi, ça a été développé très rapidement pendant la période du confinement. Mais ça nous a permis d'aider les gens pendant le mois de Ramadan et aussi pendant la période de l'Aïd. Et essayer un peu d'aller d'une manière. Je vous donne quelques petits exemples pour vous dire qu'on a réellement bien fonctionné pendant la période du confinement sur le plan digital. Donc, la crise Covid-19 a poussé vers un changement de comportement de l'administration aussi. Le rythme a été accéléré et tout ça, qu'est-ce qu'ils incitent? On sait très bien qu'on peut aller exporter nos services vers des pays proches. On peut exporter nos compétences et nos startups un peu vers l'Europe. Je voudrais aussi parler d'un sujet qui est la Tunisie et sa position géographique et le potentiel qu'on peut gagner de cette position géographique. En octobre 2016, j'ai organisé avec la Chambre de commerce, disons, comme une foire, mais en tout cas aussi des séminaires à répétition d'items pendant 5 jours, matin et après-midi, sur la blue economy. La Tunisie, qui est au cœur de la Méditerranée, à quelques dizaines de kilomètres de l'Europe, port de l'Afrique, nous donne un avantage très très important par rapport à nos concurrents. Qu'on le veuille ou pas, personne ne peut nous enlever ça. On peut nous enlever tout, on peut tout cafouiller ici en interne, on peut tout pas avancer, mais en tout cas, s'il y a quelque chose qu'on ne peut pas nous enlever, c'est bien notre position géographique. Malheureusement, malheureusement. Pendant des années, on a donné du dos à la mer, à l'économie bleue. Donc moi, je voudrais
développer par rapport à la situation un peu géographique de la Tunisie deux points. Le premier point, les opportunités du nearshoring. Nearshoring, c'est-à-dire l'exportation proche, disons, ou pas de la délocalisation, la localisation, la colocalisation. Et donc, le nearshoring, c'est un point que je vais développer. Et aussi, je vais essayer de développer réellement c'est quoi la blue economy d'une manière générale et qu'est-ce qu'elle peut apporter au pays si on se concentre sur ça. Le nearshoring, il y a eu pas mal de séminaires. J'ai participé à deux d'entre eux, même avec le ministre de la Coopération et toutes les chambres mixtes. On a essayé de donner des propositions concrètes, mais aussi comprendre qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Benetton, vous connaissez très bien. Ils ont diminué la production sur la Pologne et sur la Chine et laissé la même parce que d'une manière générale la demande elle a baissé au niveau au niveau mondial et en tout cas pour eux elle a baissé de 20%. Donc au lieu d'enlever ça sur la Tunisie, ils ont enlevé ça sur d'autres pays. Pourquoi pas la Tunisie? Un, parce qu'on est compétitif. Deux, parce qu'on est proche de l'Europe et aujourd'hui on évite de plus en plus de donner plus de travail aux pays asiatiques. Et ça aujourd'hui on doit travailler dessus. Donc, on doit savoir comment utiliser ça d'une manière générale, cette proximité. Il y a aussi, à part le textile, il y a une société qui est dans le câblage automobile. C'est une multinationale qui, je pense, avec le groupe Schaeffler, ils sont leaders aussi, et peut-être ils se disputent la première place mondiale, je dis bien. Ce groupe-là, il y a eu une commande interne au sein du groupe. Donc, ils ne savent pas, ils vont l'envoyer vers qui? Et vu qu'on a pu ouvrir les unités et laisser les gens travailler même à 50%, cette partie-là qui est importante, elle est venue vers la Tunisie. Et à ce moment-là, elle va plus sortir. Donc lorsqu'on a pu avoir cette réactivité d'ouvrir un peu nos usines avant les autres, parce qu'on a mieux géré la pandémie, ça nous a créé des opportunités. Les opportunités vont aussi augmenter dans tout ce qui est composants électroniques, les petites commandes. Mesdemoiselles qui sont là, aujourd'hui, si vous allez voir, je donne la marque Zara ou une autre marque, il n'y a plus ces saisons d'été ou ces saisons d'hiver. Il y a plusieurs saisons, pas saisons, en tout cas, il y a plusieurs commandes pendant une saison. Donc, on change de commandes pendant plusieurs fois pendant une saison. Avant, il y a 20 ans, il y avait l'été et l'hiver. Aujourd'hui, il y a plusieurs commandes qui arrivent et qui changent dans les boutiques. Qu'est-ce que ça nécessite, ça? Ça nécessite une proximité. Parce que lorsqu'on commande de la Chine, c'est 3 semaines de transport. Lorsqu'on fait sortir un bateau de la Tunisie, c'est 24 heures. Donc ça aussi, ça, c'est ces petites commandes qui deviennent de plus en plus importantes dans le monde, et surtout en Méditerranée, en Europe. Aujourd'hui, la Tunisie, c'est le site idéal pour travailler dessus. Donc ça aussi, c'est un point qui est important. Et ça rentre de plein fouet dans la stratégie de l'Europe. L'Europe, ils ont imprimé beaucoup d'argent et ils ne sont pas prêts à donner cet argent-là, la vérité, à la Chine. Donc nous, on doit saisir cette opportunité pour rafler une bonne partie des commandes qu'avaient les Chinois et les Asiatiques. Aussi, je voudrais parler un peu de la position géographique par rapport au centre logistique. Vous savez très bien, 1 hectare de centre logistique, ça fait à peu près 200 postes d'emploi directs et 400 indirects. Si on fait quelques centaines d'hectares, c'est des milliers de postes d'emploi. Et on ne s'est jamais concentré sur ça. Et pourtant, notre pays, comme je l'ai dit, avec 1 300 km de côte, si je ne me trompe pas, je ne vais pas faire l'erreur d'un ancien ministre qui a donné des erreurs, des chiffres erronés. Bon, non, je ne me trompe pas, c'est 1 283 km de côte, avec aussi une soixantaine d'îles avec des lagunes, etc. Tous ces chiffres-là ne font que de la Tunisie. Elle doit axer son travail sur le transport et logistique et faire des ports secs, c'est-à-dire des ports qui sont derrière, sont loin de la mer. Tout ça, c'est des activités sur lesquelles on doit insister et profiter un peu de notre positionnement stratégique au cœur de la Méditerranée et en Afrique. Aussi, on doit capitaliser sur nos exploits. Je passe un peu de l'économie de la mer, mais pour aller vers le sanitaire et l'éducation, on doit capitaliser énormément, énormément sur la santé.
et renforcer notre système éducatif qui a fait qu'aujourd'hui, il ne faut pas se leurrir, on a un système de santé qui a été très bon. On a des médecins qui sont excellents. Et il faut axer ce travail-là et renforcer ce travail-là. Et pour le renforcer, il faut renforcer l'éducation et le système public. On ne doit pas aller seulement vers le privé. Donc, public pour faire sortir des élites et créer des universités privées. Les universités privées serviront pour ramener des investissements de l'étranger et aussi surtout les subsahariens, les maghrébins qui viennent étudier chez nous. Lorsqu'on a une université comme la vôtre, c'est automatique. Il y a de la possibilité de vendre un service qui a forte valeur ajoutée aujourd'hui et sur lequel on mise énormément. Et ça va être beaucoup plus compliqué à l'avenir d'obtenir des visas pour aller vers l'Europe et pour étudier. Comme je l'ai dit, la santé et l'éducation sont deux piliers sur lesquels on doit capter de nouvelles opportunités. On est bien parti, on a de la marge, on a des compétences. Il y a des fonds qui sont dédiés par l'AFC, le BIRD, le BEI pour tout ça. On doit assouplir un peu nos lois parce que pour pouvoir, si on arrive à assouplir nos lois, ça permettra de capter plus d'investissements étrangers dans ce secteur-là. Comme je l'ai dit tout à l'heure, pour le Blue Economy, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le Blue Economy, qui est très important pour nous, vu notre position, comme je l'ai dit et je le répète, géographique. La Blue Economy, c'est toutes les activités liées directement à la mer. C'est l'aquaculture et pêche, c'est la construction navale. Et on a de très très belles unités en Tunisie, à Mazen Bourguiba. C'est tout ce qui est infrastructure, transport, restauration, artisanat, tourisme, énergie propre, tout ça, ça rentre dans la partie blue economy. Et on ne doit plus donner du dos et on doit se concentrer sur ça. Il faut jamais oublier que nous, Tunisiens, on est fiers toujours de dire qu'on est Carthaginois. Carthage doit sa grandeur et son universalité à sa maîtrise de la mer. Carthage avait 300 comptoirs en Méditerranée, en Antiquité. C'est qu'elle maîtrisait le monde, était le centre du monde par rapport à ça. Carthage, les Carthaginois ont construit les meilleurs bateaux au monde et ont fait la grandeur de Carthage et ont fait les plus grandes expéditions maritimes. La Tunisie, malheureusement, encore une fois, je le dis, a donné du dos à la mer. Si on s'est concentré sur la mer avec une ouverture incroyable, on aurait fait des points de croissance énormes sur cette économie bleue ou l'économie de la mer. Nous devons changer d'attitude par rapport à l'économie de la mer. Je vous donne quelques chiffres faciles. Le maritime aujourd'hui représente à l'échelle mondiale 1 500 milliards d'euros, plus que le télécom et l'aéronautique. Et ça, c'est suffisant pour comprendre quelle est l'importance du maritime d'une manière générale et que nous, on n'a pas su exploiter. Je pense que le gouvernement, l'ancien gouvernement, je ne sais pas si c'est le cas aujourd'hui, on a créé un secrétariat d'État à l'économie bleue, grâce entre autres au Yacht Med Festival et aussi à la saison bleue qui a été initiée par l'ambassade de France pour un peu promouvoir un peu notre côte et notre économie bleue en Tunisie. En 2019, pour finir un peu avec les chiffres, plus de 60% de la population mondiale vit à moins de 150 km de la mer. Et plus de 90% des échanges commerciaux dans le monde sont maritimes. Ça aussi, c'est un point très important pour comprendre l'importance de la blue economy et qu'aujourd'hui, c'est une opportunité. Et donc, la Tunisie ne doit pas négliger cet eldorado bleu qui s'ouvre à nous. Et que pendant l'Antiquité, a fait de Carthage le centre du monde et la première puissance du monde. Donc, ça pour finir avec la Blue Economy, parmi les composantes, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la Blue Economy, c'est le tourisme. Le tourisme aujourd'hui, qui est un secteur sinistré, c'est un secteur qui a de grosses difficultés. On espérait s'appuyer sur les résultats du Safe, Covid Safe. En nous classant le troisième pays Covid Safe en Méditerranée pour pouvoir
réellement ne pas rater la saison estivale, du moins en partie, et peut-être la pré-saison à la gagner. Je pense que le protocole sanitaire qui a été imposé, j'espère qu'ils vont changer. Je sais qu'aujourd'hui, il y a un conseil des ministres. Le protocole sanitaire, s'il reste comme ça va être cuit pour la saison touristique. On aurait raté cet exploit sanitaire pour amener un maximum de touristes. Sachant que, je ne vous cache pas que l'Espagne et le Portugal, ils sont quasiment full aujourd'hui, hein. Et ils n'ont aucun protocole sanitaire, ni faire les tests, etc. C'est un choix. Où est-ce qu'on veut aller? On a préparé nos hôpitaux, on a préparé le couloir sanitaire, on a tout préparé. Et donc, soit on va vers l'économie, soit on reste fermé en ayant peur que cette pandémie frappe notre pays plus que d'autres pays, par exemple. C'est un choix. Moi, mon avis personnel, il faut ouvrir, travailler et ajuster le tir au fur et à mesure. Moi, je préfère que les gens, c'est malheureux, mais il y a des gens qui meurent de faim parce qu'ils ne travaillent pas. Moi, je préfère qu'on travaille, on donne du travail aux gens et sauver 400 000 familles qui vont travailler dans le secteur du tourisme directement et indirectement, on est à peu près à 1 million, que de dire on a peur de cette maladie-là. On prend nos précautions, on ouvre nos frontières et c'est très important pour ne pas rater cette saison-là qui sera importante pour les ressources à l'État. Et si on arrive à avoir quelques ressources, peut-être on ira vers le titre 2, comme j'ai abordé tout à l'heure, pour mieux investir dans les secteurs bâtiments et autres et d'infrastructures. Ça, c'est pour le tourisme. Donc, j'espère qu'aujourd'hui, on prendra les bonnes décisions pour pour sauver la saison touristique. Pour finir un peu sur les perspectives, les secteurs, etc., moi, je trouve que l'agriculture et l'agroalimentaire restent des piliers pour nous. Pendant des années, je ne vous cache pas, moi j'ai investi un peu dans le secteur. J'ai investi dans la salade et les artichauts. J'ai ramené un expert italien. Et l'expert italien a permis à la tige d'artichaut, au lieu d'avoir une rentabilité de 10, d'avoir une rentabilité de 22. On a besoin aujourd'hui de changer notre méthode de travail, d'investir plus dans l'agriculture parce qu'on a un potentiel énorme, on a une terre fertile on a des gens qui sont encore dans le secteur et qui veulent travailler et avancer. Lorsqu'on voit que pas mal de fois les dattes et l'huile d'olive sauvent un peu notre balance commerciale et équilibrent un peu la balance commerciale, on se dit que l'agriculture peut être un levier important de croissance et un secteur sur lequel on peut compter pour l'avenir et gagner des points de croissance dessus. Donc moi, je pense que les politiques doivent s'occuper principalement et d'une manière profonde de l'agriculture qui peut nous ramener de bonnes satisfactions à court, moyen et long terme. Moi, comme je l'ai dit, je pense que les perspectives, c'est qu'on doit savoir profiter de cette proximité du nurturing. On doit profiter de notre position géographique au cœur de la Méditerranée, à la porte de l'Afrique, avec aussi on se concentrer sur l'économie bleue, on doit être digital, agroalimentaire, et aussi sur l'industrie, se reconvertir un peu et s'ouvrir un peu sur de nouveaux marchés, et essayer d'être agressif pour capter des marchés asiatiques vers nous, et surtout les petites commandes. Et ça pourrait permettre, je ne vais pas dire relancer, mais en tout cas de sauver des postes d'emploi actuellement. En attendant de créer de méga projets en Tunisie, il y en a qui sont dans le pipe et il faut accélérer et éliminer les procédures administratives. J'espère que je ne suis pas très, très long, j'ai pris à peu près 35 minutes. Si vous avez des questions, je suis ouvert à vos questions. Je ne sais pas comment ça se passe ici, je dois aller. Ouais. Bonjour, bonjour, bonjour à Paris. Bonjour, bon, non, pensez-vous que l'étude initiée par l'ITES, qui privilégiait en premier de préserver les secteurs vitaux du pays, en l'occurrence les filières sanitaires, inclut l'industrie, ça c'est la GPEB qui pose la question, incluant l'industrie pharmaceutique, la sécurité des personnes, des biens, l'infrastructure critique pays, les services publics vitaux. Je suis Rajé, ça c'est, je suis d'accord sur ça. Ça, c'est la majorité, ils font partie de l'économie de la vie. J'ai oublié le pharmaceutique, mais en tout cas, je pense que ces filières, il faut se concentrer sur ces filières. Le pharmaceutique, on est en train de faire un travail,
mais tout ce qui est législation tunisienne nous bloque un peu. Et pour le reste, les services publics, l'eau, l'électricité, services municipaux, collecte, déchets, etc., toutes ces activités, il faut les rembourser. À part l'eau, l'électricité, qu'il faut rester public, le reste, il faut privatiser. Il y a d'autres questions? Toujours à la GTEB, arrivera-t-on à concilier l'urgence du court terme et les impératifs du moyen terme? La vérité, le court terme, il est très délicat et on doit essayer de sauver le maximum de postes d'emploi sur le très court terme, c'est-à-dire de 6 à 9 mois, en attendant de revoir un peu comment les cartes vont se remélanger et surtout voir comment vont réagir les grands donneurs d'ordre de l'Europe. Avant, lorsqu'il y avait un problème en Europe, on le sentait 6 à 9 mois après. Maintenant, lorsqu'il y a un problème en Europe économique, on le sent à peu près 24 heures après. Donc les choses ont foncièrement et profondément changé par rapport à ça. J'espère que je vous ai un peu apporté quelques éclaircissements un peu sur la situation, sur les perspectives. Je vous conseille de lire, de voir un peu la vidéo de Jacques Attali sur l'économie de la vie et aussi une vidéo qui m'est chère que je propose toujours à mes collaborateurs qui rentrent au cabinet et aussi à quelques étudiants. C'est un professeur qui explique c'est quoi la chance. Et ça, c'est important pour vous pour comprendre c'est quoi la chance. Vous faites sur YouTube la chance. Cours la chance et vous allez trouver quelqu'un qui est chaud, pendant 5 minutes, il vous explique c'est quoi la chance. Et ça, il faut l'écouter 2, 3 fois pour comprendre qu'est-ce qui est demandé aujourd'hui aux étudiants pour avancer convenablement dans leur vie et gravir les échelles et avancer d'une manière générale. Il n'y a pas de questions, je pense. Donc, je vous remercie pour l'attention. Et je vous donne un peu mon email si vous voulez, c'est mourad.fradi@mazar.fm, à disposition pour tout autre éclaircissement. Merci beaucoup, au revoir.